5 compétences à développer pour augmenter la valeur de votre business, être mieux rémunéré pour ce que vous faites chaque jour. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiak. Dans cette vidéo, je vais vous partager plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider aujourd'hui à augmenter votre valeur dans votre business, être mieux rémunéré pour ce que vous faites. Donc si c'est important pour vous d'être mieux rémunéré pour ce que vous faites, de toucher les autres et d'augmenter la valeur qu'ils reçoivent et qu'ils perçoivent, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et pensez donc à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour être informé de mes prochains partages. La première capacité et compétence, c'est développer la capacité à devenir excellent dans ce que vous faites. Ça paraît pourtant logique, ça pourrait paraître simple si vous le faites déjà, mais sachez que la plupart des personnes aujourd'hui autour de vous se contentent de ce qui est moyen ou bon, alors qu'elles méritent ce qu'il y a de meilleur. Et je dis ça simplement parce que lorsque je rencontre des entrepreneurs qui se limitent par rapport à ce qu'ils ont au fond d'eux et qui ne voient pas leur potentiel, je me dois de les aider à révéler leur potentiel. Et lorsqu'ils découvrent de quoi ils sont capables, ils réalisent que waouh, ils ont un trésor entre les doigts depuis toujours et qu'ils ne l'avaient pas exploité. Mais c'est pas grave, le passé est passé, le présent est plus important, on construit l'avenir grâce à ces actions massives. Donc vous qui suivez cette vidéo, réalisez une chose, c'est qu'il y a une chose dans laquelle, un domaine de compétences, dans lequel vous êtes meilleur qu'un autre, vous êtes meilleur que d'autres. C'est peut-être quelque chose que vous faites mieux, plus vite, différemment, votre produit, votre service, votre solution que vous avez construit autour d'un point, une thématique, un élément. Et ça, votre objectif, votre intention, c'est de vous entraîner tous les jours à être meilleur, meilleur dans ce que vous faites. Je dis pas meilleur que les autres simplement, meilleur que vous, le vous d'hier, chaque jour, être vraiment meilleur dans ce que vous faites. On pense souvent que être le meilleur au niveau mondial, c'est trop fou, c'est trop rêver grand, c'est pas bon. Or, réellement, si tout le monde se disait ça dans le monde, quel que soit l'endroit où on est, personne ne viserait haut. Et il y a des personnes comme ça qui se décident un jour, quelle que soit la discipline, de dire « moi je veux être meilleur ». Je veux vraiment dépasser le niveau peut-être local, niveau national, international, et je vais m'entraîner chaque jour pour être le meilleur. C'est peut-être pas votre ambition, mais votre objectif, c'est de vous dire, si vous voulez développer une activité prospère, changer la vie de vos clients et de votre business, vous avez besoin d'être excellent dans ce que vous faites. Et ça passe par regarder, observer ce que vous faites tous les jours. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous pratiquez souvent? Une personne me dit, moi je suis pas très fort en téléphone, je suis pas fort en email marketing, je ne suis pas très bon en vidéo, je ne suis pas très bon par exemple lorsque j'échange avec des partenaires pour les convaincre. Combien de fois le faites-vous déjà? Et ensuite, une fois que vous le faites souvent, c'est pas simplement le fait de le faire souvent, quand vous le faites souvent, quelle est l'attitude que vous adoptez? Est-ce que vous observez? Est-ce que vous enregistrez? Est-ce que vous analysez? Est-ce que vous notez? Que vous aiguisez votre outil, votre compétence d'excellence? Si ça n'est pas le cas, je veux vraiment que ce premier point puisse susciter cette envie, ce désir de comprendre que vous pouvez être le meilleur du meilleur dans votre domaine, meilleur que vos anciennes versions de vous-même, c'est clair, mais aussi pour votre client, pour votre meilleur client, en vous développant cette capacité, c'est vraiment une capacité à cultiver chaque jour, d'être le meilleur, être fort en tout cas dans ce que vous faites tous les jours. La deuxième compétence à développer, c'est votre capacité à apporter, à résoudre des solutions, à apporter des solutions à des problématiques importantes et émotionnellement fortes. C'est de choisir et de trouver dans votre domaine d'excellence quelles sont les problématiques qu'elles résolvent. Et quand vous avez trouvé les problématiques, trouvez celles qui sont les plus urgentes, les plus émotionnellement fortes. C'est comme ça que vous construisez un business prospère. C'est comme ça que vous arrivez à être généreusement payé très haut premium pour ce que vous faites. C'est parce que vous apportez une solution à une problématique urgente, forte et émotionnellement forte. Vous n'êtes pas là simplement à proposer des produits de plaisir qui sont nécessaires, certes. Mais imaginez un instant, vous vendez des t-shirts pour enfants. C'est bien, mais c'est un produit de plaisir esthétique. Mais imaginez, vous dites, tiens, moi, je crée des t-shirts pour enfants en surpoids parce que je sais que c'est une souffrance pour eux à l'école, partout, et que leurs parents en souffrent aussi. Et je résous une problématique urgente et qui est émotionnellement forte. Là, vous allez vous rendre compte que l'exercice sera totalement différent. Votre situation sera totalement différente. Et votre place aussi, l'impact que vous aurez pour vos clients sera aussi totalement différent. Lorsque vous développez cette capacité à résoudre une problématique qui est importante, et émotionnellement fort, vous réussissez comme ça à vous positionner d'une façon très puissante pour avancer dans vos projets chaque jour. Troisième compétence, développer votre capacité à apporter des résultats rapidement. Parce que c'est bien d'apporter des résultats à une douleur importante et émotionnellement forte, mais si avant vous ou en même temps à côté de vous, il y a d'autres personnes qui font, c'est bien. Votre objectif à vous de vous dire, moi, j'ai besoin que ce soit plus rapide parce que ça permet aux personnes qui souffrent, qui ont cette souffrance, de sortir de cette difficulté plus rapidement. Et si elles ont le choix entre deux personnes, une qui vous dit « j'ai une rage de dents mais je peux vous soigner dans 6 mois et vous allez rester pendant 6 mois avec cette douleur et moi j'ai une rage de dents et je peux vous soigner dans la demi-heure qui suit », qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous choisissez? Donc la question, vous connaissez la réponse. Votre objectif, c'est de vous placer maintenant à la place de votre client lorsqu'il sera face à vous et à d'autres personnes. Quel est votre mécanisme de transformation? Vous pourriez vous dire « oui mais je ne peux pas inventer ». Non, n'inventez pas. Vous savez ce que ça fait aujourd'hui
à un instant T, vous connaissez la rapidité de votre solution et votre objectif, c'est de développer cette capacité jour après jour à réduire ce temps, à faire que ça aille plus vite, que ça prenne le moins de temps possible. Il y a évidemment des contraintes peut-être techniques qui peuvent exister. Si vous construisez des objets physiques, il faut les créer, il faut les produire. Donc on peut pas dire en une minute c'est fait, mais on peut aller plus vite, on peut améliorer, tout s'améliore. Tout ce que l'être humain a fait il y a plusieurs décennies, il le fait aujourd'hui plus rapidement. Il le fait sans doute différemment. Donc votre mécanisme, votre façon d'aider vos clients aussi. Il suffit d'y penser et de mettre l'attention là-dessus, de porter votre attention jour après jour et de travailler comme ça, vous dire comment apporter une solution la plus rapidement. Je ne dis pas une solution rapide, baguette magique, non, plus rapidement que normalement, comme qu'hier par exemple, et demain encore. Parce que simplement le fait d'y penser me permet. Il y a peut-être des outils technologiques qui peuvent aider à aller plus vite. Il y a peut-être des outils, il y a peut-être d'autres ressources qui existent. Comment pourriez-vous apporter, développer cette capacité, apporter des résultats rapidement? Ça vous aidera à augmenter votre valeur sur le marché et d'être recherché, désiré, d'être, les clients seront généreusement enthousiastes à payer, à investir dans ce que vous faites pour apporter cette valeur ajoutée dans leur vie et dans leur business. Quatrième compétence, développer votre capacité à porter des solutions à des problématiques rares. Des solutions à des problématiques rares que peu de gens peuvent ici solutionner. Entraînez-vous, développez cette capacité à aller plus loin qu'une autre personne. Il y a certaines professions dans lesquelles nous avons la personne, prenons un exemple, l'infirmière, ou qui va faire certaines choses, ou le médecin qui va faire certaines choses, il sera bien rémunéré pour ça, mais il sera limité pour une certaine opération très spécifique dans laquelle on a besoin d'un spécialiste qui, lui, en réalité, c'est une problématique plus rare à solutionner. Il a développé une capacité, une compétence dans ce domaine, et quand il vient, il est très demandé. Les gens ont besoin de lui, il a une valeur haute, forte, et les gens sont prêts à payer n'importe quel montant, tout pourvu qu'il puisse réussir. Parce qu'il n'y a pas des milliers de personnes qui peuvent faire la même chose que lui, et la raison est simple, c'est qu'il en a en amont pensé à développer, trouver des solutions à des problématiques rares, trouver des solutions rares. Donc dans votre domaine, il y a toujours une possibilité d'avoir ici des solutions à apporter sur des problématiques plus rares. Regardez, soyez créatif ou pas très créatif, observez d'autres personnes qui ont trouvé dans d'autres domaines des solutions rares à résoudre et importez ce qu'ils ont fait dans votre industrie, dans votre thématique. Si nous étions ensemble face à face, si ou si vous étiez dans un de nos programmes et qu'on échangeait, vous me posiez la question, vous me disiez votre cas, je pourrais vous partager des exemples. Mais dans ce cas-ci, je ne sais pas quel est votre exemple exactement, mais asseyez-vous, prenez ce temps parce que vous serez généreusement payé pour le faire et vous aurez donc ici une valeur énorme sur votre marché. Puis enfin, cinquième compétence, développer votre capacité à apporter des résultats de manière attractive, de manière inspirante et attractive. Cette manière-là, c'est une manière qui attire les autres. On regarde, on dit ok, très bien, vous solutionnez cette problématique urgente, douloureuse, ok, fort. Lui aussi le fait, mais vous, votre mécanisme, votre solution est attractive. Elle est inspirante. Et donc, j'ai vraiment envie de faire ce voyage dans ces conditions-là, dans ce mécanisme, dans cette façon de fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin, lorsque vous êtes expert dans votre domaine, de développer une méthodologie signature, comme le parcours de transformation ALEC, qui est une méthodologie propriétaire signature, avec une forme attractive, une méthodologie, un système, une façon d'apporter une solution d'une façon brillante et attractive. Et chaque entrepreneur passionné de liberté qui a un talent et qui se penche sur la question peut réussir à révéler ça en lui. Et ensuite, de tester, d'améliorer, d'affiner encore et encore et d'améliorer pour que ce soit plus rapide, pour que ce soit plus rare, pour que ce soit plus puissant d'une façon ou d'une autre jour après jour. Et c'est comme ça que vous augmenterez votre valeur sur le marché. Vous serez abondant financièrement, mais également la reconnaissance, l'impact, les transformations, ce que vous apporterez dans la vie des autres vaut tout l'or du monde. Parce que les gens oublieront ce que vous aurez dit, mais ils se rappelleront de ce que vous aurez fait pour eux, dans quel état ils auront été à votre contact, au contact de votre solution. Donc ça en vaut la peine de pouvoir vous pencher sur ces compétences pour augmenter votre valeur sur le marché et devenir libre et abondant. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 5 compétences à développer pour pouvoir augmenter votre valeur, celle de votre entreprise, d'être généreusement payé pour ce que vous faites. Premièrement, c'est augmenter votre capacité à devenir excellent dans ce que vous faites. Chaque jour, pendant que les autres se reposent, vous vous entraînez. Pendant qu'ils dorment, vous vous êtes réveillé. Pendant qu'ils partent en vacances, vous vous êtes focalisé pour être excellent dans ce que vous faites. Ensuite, deuxième point, c'est de développer la capacité à trouver des solutions, à porter des solutions à des problématiques importantes et émotionnellement fortes. Ensuite, troisième capacité, apporter des solutions rapidement. Quatrième compétence, apporter, trouver des solutions à des problématiques rares. Et puis cinquièmement, délivrer ici des solutions, la capacité à apporter des solutions de manière attractive et inspirante. Si vous suivez ces 5 points, vous serez comme ça. Comment augmenter ces compétences? Mais le plus important n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir aussi comment le faire.
Et si vous voulez savoir comment nous faisons de façon stratégique, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je vous offre une formation d'une heure sur Internet pour vous montrer exactement comment nous fonctionnons, quel est notre modèle de business pour augmenter notre valeur et comment on la construit stratégiquement, brique après brique, pour faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Cette présentation est offerte sur le lien qui est en description. C'est le premier lien en bas de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus et de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure 2 secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez également à vous abonner pour recevoir les prochains partages. Le bouton rouge est s'abonner et cliquez, activez la cloche qui apparaîtra pour être informé de mes prochains partages. Et puis dites-moi en commentaire, qu'avez-vous trouvé de pertinent dans cette vidéo? Comment faites-vous vous-même pour augmenter la valeur de votre offre, de vos solutions, de ce que vous faites? Partagez-moi vos idées au bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous, ma communauté de passionnés de liberté. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est juste en bas à la description. On vous se retrouve de l'autre côté ou alors dans les vidéos qui apparaissent ici maintenant. C'était Zico Kiax. À très vite. Merci.